Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 7, notre héros, et on incarne Chris Redfield. Allez voir le premier épisode pour ceux qui seraient passés à côté, et quel bonheur, on a récupéré un filtre amélioré sur l'un de nos compères qui est malheureusement mort. On peut dire que ça tranche la tête ces histoires là, et on est parti pour la suite donc de cette incroyable aventure avec un filtre amélioré qui nous permettra de rentrer là-dedans et donc de voir un petit peu ce qui se passe. Et pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Ah oui, on avait croisé un nouveau monstre pas très sympa. Hein. Pas très sympa, pourquoi? Parce que totalement immortel. Ok. Vous entendez cette musique? J'ai réussi à le louper. Qu'est-ce que c'est? Non. Non! Non! Merde! Chier! Ah, c'est bon, j'ai retrouvé le retournement rapide! Ah, c'est compliqué, hein! Bonjour, monsieur. On va tenter le brain! Et c'est un brain! De la part du joueur australien! Qui passe sur la droite, il lui a fait une zizou, c'est incroyable! Bon, ça c'est fait. Je l'ai emmené suffisamment loin. Là, y a rien. Oh non les gars, putain, abusez pas. Eh, j'ai pas fait ça pour rien. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ok. Putain. Donc tout le monde est immortel hein, dans cette histoire. Peut-être parce qu'ils sont dans les sports. Et le sport, ça vous gagne. Oh, une pièce antique. Le retour des pièces antiques, c'est incroyable. Ok, des grenades neurotoxiques. On court. Ça va être terrible le retour. Hein. Oh bah, ça va être une sale expérience. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Où on va? C'est long, c'est loin, ça se mange enfin. C'est... Pardon. Pardon, messieurs. Excusez-moi. Waouh! Je vais où, là? Ok, c'est bon. C'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Ok, des grenades incendiaires. Putain, faut gérer le stuff. Va falloir gérer le stuff. C'est bon, on a plein de trucs incroyables à lire. Appareil de vision nocturne. Comme son nom l'indique, cet appareil ajoute une fonction de vision nocturne au système HMD d'Umbrella. Le dispositif utilise l'intensification de lumière pour permettre à l'utilisateur de voir dans l'obscurité. Il offre également la possibilité de détecter les rayons invisibles à l'œil nu, tels que les rayons infrarouges. C'est incroyable. Ok, on peut se le mettre. Ok. Des munitions Ramrod. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain de merde? Ces munitions devraient te permettre de neutraliser les mycomorphes blancs. Ah. Bien. Ah, et j'en ai trois. Ah. Ah, ça fait plaisir. Munitions anti-régénération Ramrod. Ces puissantes munitions à action rapide qui stoppent la régénération cellulaire ont été développées pour combattre les armes biologiques de structure fongique. Les balles libèrent au moment de l'impact une toxine qui détruit rapidement les membranes des cellules fongiques, bien évidemment, et empêche la régénération des tissus. Un seul tir suffit à rendre leur efficacité au mode d'attaque conventionnel. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît. Maquet, ça me plaît. Alors les gars, il y a un problème. Il y a un problème dans cette histoire. Et le problème est où? Le problème... Ah, c'est triangle, voilà. Ok. Changer de munition, L de triangle. J'ai pas envie de les gaspiller maintenant, ça me ferait mal au cœur. Pas qu'au cœur, maintenant qu'on y pense. D'ailleurs, attendez, il y a un gros souci là. Comment je l'active mon mode mes couilles? Vous me faites peur. Comment Maquet, comment je l'active? Non, ça peut pas être ça. Oh, c'est terrible. Il s'active peut-être tout seul. Oh, allez, on va explorer, on va tout miser. D'accord, je confirme, il s'active totalement tout seul. Waouh, waouh, ah, oh, oh, hey, ah, ma vie est nulle. Je vous ai dit conneries. D'accord. Donc c'est par ici que ça se passe. Très bien, on continue, il n'y a pas de souci. Ok. Peut-être des munitions. Pas du tout. Pas de munitions de cave par contre. Très bien. Il faut que je tombe là-dedans. C'est terrible. Heureusement que ça m'a pas mis de dégâts cette connerie. Ok. On est parti, on continue. Bonjour, salut à tous.
Il y a quelqu'un qui lâche des substances très bizarres au sol. Probablement du sperm. Ok, deux flèches qui montent, une flèche qui descend. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est ce fucker? On va tenter. Il n'y a pas de courant bas. Mais oui, c'est clair. Ok. Ok, les gars. Il n'y a point de courant. On réessaye. Ok. Alors, s'il n'y a pas de courant, je suis censé faire quoi, les gars? Enfin, je veux dire... Je suis pas technicien, je suis pas dans l'électronique. D'accord, peut-être suivre les câbles. Ah d'accord, ok, c'est bon. Je crois que c'était en haut, en bas ici, au milieu. Et en haut à droite. C'est une petite énigme proposée par Lucas. Voilà. On commence plutôt bien ce DLC, les gars. C'est pas la pire des énigmes. Fallait trouver ça, hein, les interrupteurs, vous pouvez le voir. Ça c'est fait. Ok. Descends dessus. Oui, fallait que je le dise avec un certain style. Allez, on court. On court, mon loup mort. Je vais pas gâcher des munitions pour ça. Hein. Ah, c'est rien. Génial. Aïe. L'autre arrive. Mais stop. Oh. Ah. C'est bon. Bon, je suis dans un état de santé semi-critique, évidemment. On va attendre avant d'utiliser un soin. Les soins sont d'ailleurs, c'est ça, un remède à action rapide qui permet de regagner. Okay. On a donc bel et bien des heals. Non, vous êtes chiants, les gars. Attends, je vais essayer le brain. Ok, c'est bon. C'est la protection qu'a sauvé un homme. Ben oui, c'est clair. Et c'est une zizou. Aïe, 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 aïe. C'est une zizou qui s'est mal déroulée. C'est rien. Ok. D'accord. Bon, on va utiliser un soin, n'est-ce pas? C'est parti. Ok. Alors là, c'est compliqué cette histoire. Ah, moi, lui mettre une zizou incroyable. Et c'est parti, c'est le brain. Saloperie de merde. Putain. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh non, mais c'est pas... Waouh. On arrête les conneries, les gars, on peut se calmer. Ah bah là, les gars, cet épisode, je vais l'appeler gangbang dans les catacombes parce que c'est terrible. Ah, c'est vrai que je méritais finalement, hein. Je vais prendre mes munitions spé, hein, parce que là, c'est chiant. On reprend les munitions classico d'El Madrido. Je vais tenter la zizou pour le joueur australien. Et c'est une zizou qui passe. Hop, on ramasse. Waouh. Hey, mais les gars, mais vous êtes dingue. Mais vous avez vu, mais c'est quoi ce délire? Tourelle, il y a trois tourelles en vue. Il vaut mieux chercher un chemin plus sûr. Mais il y en a qui comprennent pas. Il y a pas, j'ai pas payé pour ça. Oh Lucas. Lucas, t'es bien chiant. Ça me fait mal, Lucas. Ok, bon bah on va aller derrière, mais c'est pas grave. Il y avait un truc à récupérer à droite. Mais arrêtez, arrêtez. La zizou. Ok. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est par ici. Il y a mon truc qui les tue. On est déjà venu ici, mais. Mais y'en est marre. Oh, mais ouais, mais putain. Mais... Casse-toi, wesh! C'est rien. C'est rien. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est infini! Et pourquoi on est allé là d'ailleurs? Mais qu'est-ce qu'on a fait là-dedans finalement? Ok, calme-toi par contre, Jean-Bobby. C'est bien plus gros que les autres. C'est bon, on est sorti. Mais c'est incroyable, hein. Réellement, c'est incroyable. Bon, on s'applique à heal. Mais c'est... Mais sucez-moi. C'est un coup dans le dos. C'est un coup de traite qu'on a là.
J'ai ramassé ou pas? Je sais même pas si j'ai ramassé. Ouais, bah c'est la fin. C'est la fin des haricots. Adieu. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu autant de You Are Dead en si peu de temps. D'accord, hein, on est bien d'accord là-dessus. Putain, même Resident Evil 7. Elle s'est peut-être tournée action, mais c'est aussi... aller là-dedans. On va se réappliquer un heal. La zizou. La double zizou. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici finalement? Il y avait là les balles de pistolet derrière, mais alors j'en ai tellement rien à foutre. Ah putain, tout ça pour contourner les trois. Oh là là. Tout ça c'était pour contourner les trois mitraillettes. On appréciera bien évidemment. Allez, on se casse. Qu'est-ce que je suis allé faire? J'ai totalement... Je suis tellement... les gars, c'est tellement la merde que je sais même pas ce que je suis allé faire là-dedans, en fait. Qu'est-ce que je suis allé chercher? Mais rien, mais je crois que rien, en fait. Je suis tombé, j'ai rallumé le courant. Mais en fait, je crois que c'était un trap du début à la fin. Je crois que tout ça a été fait en vain. J'ai pu... Remettez au début d'épisode, dites-moi ce que je suis allé chercher. Non, mais les gars, c'est terrible. J'ai aucune idée. Aucune putain d'idée. Ok, très bien. Allez, on continue, les gars. Trop d'émotions. Attends, je suis sorti par là, ok. Bon, il reste plus que ça à faire. On va peut-être save, hein, les gars. Je sais pas si on va save au même endroit, parce que là, cet épisode me semble très compromis et très compliqué. Mais on peut le faire, moi, j'y crois. Je sais même pas, je crois que c'était pour aller récupérer des munitions, finalement. J'en ai aucune putain d'idée, les gars. Je sais même pas ce que je suis allé faire dans ce merde. Je peux juste vous dire... Oh, putain, non. Ça s'affiche pas sur la carte. Ah, ben non, je suis allé récupérer, mais bien sûr. Ah, putain. Mais j'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Je suis juste allé récupérer le dispositif infrarouge, voilà. J'avais totalement zappé, très bien. Ok, on récupère. C'est un véritable plaisir, hein, à l'heure actuelle. Je prends mon putain de fun. Donc, il y a des pièges un peu partout, hein. On adore. On adore, putain. Je peux faire du... Oh, ça passe ou pas? Ça passe. Ça passe. Oh, je vois qu'il y a des pièges un petit peu partout. On appréciera. Ah, la phase était très chiante, hein, dans les catacombes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fil. C'est un fil. Faudra pas que je l'oublie, celui-là. Faudra clairement pas que je l'oublie. On peut y aller maintenant. Allez. Je suis déjà mort deux fois, les gars, dans cet épisode. Et deux fois dans l'épisode précédent. C'est un signe. Peut-être que je suis fait pour mourir deux fois par épisode, qui sait. Ok, c'est verrouillé de l'autre côté. Donc je suppose qu'il va falloir... Voilà, un petit coup là-dedans. Bah, plaît-il ? Non ! Se calme, monsieur ! Ah ! Oh, mais non, mais non, mais j'en ai marre ! Mais j'en ai marre ! Laissez-moi tranquille ! Je prends ce que je mérite ! Allez. On y va, les gars, bas les couilles. Ah, c'est terrible. Mais c'est drôle. C'est drôle. On va le casser dans le truc là-haut, là. Ah, allez. Ça, c'est fait. Voilà, c'était vraiment... Oh, voilà. Voilà, ça l'a totalement. J'avais peut-être même pas besoin d'utiliser ma munition spé. Je sais pas, ah, ok, là je rebouche l'issue. De toute façon, peut-être qu'on passera plus par ici. Je ne veux pas le savoir. Il y a encore un chariot par ici. C'est une énigme, hein, c'est une énigme que nous avons là. D'ailleurs, un chariot avec des ballons. Des ballons de jeu. Ce qui a été utilisé pour préparer le joyeux anniversaire. Très bien. Ok, on a une porte par ici. On y va. Ok. Ah. Mais oui, c'est clair. On va aller passer par ici finalement. Hein. On va replier si jamais il y a un monstre. C'est plus facile. Voilà. Et là, il y a peut-être rien finalement en fait. Ouais, il y a juste rien. Il y a juste rien. J'essaye de tout regarder. Hein. Mais après, vous savez très bien que bah, vous me connaissez. Je vais passer à côté. Bon nombre.
de pièces antiques et j'en passe. Ok, il y a deux portes. Ah. Très bien. Très bien. Un remède. Ça va partir en vrille. Hein. Hop. J'ai plus qu'une seule munition spé. C'est compliqué. J'ai la clé. Ah! Plaît-il? Vous êtes mort, monsieur? Désolé! Aïe! Oh putain, j'ai oublié de me protéger, je sais, je vous vois arriver à 2 km. B-Boy, mais protège-toi! Maquet, qu'est-ce que tu fais? Putain de merde! C'est peut-être un beau trick. Je voulais juste voir s'il y avait un nouveau truc ici à faire, mais il n'y a rien du tout à faire. C'était le clown utilisé pour jouer aux anniversaires. On peut passer par ici, non? Oh là là, putain, je me suis baissé par peur. Oh, regarde. Ah, bah oui. On va lui faire une zizou. J'étais spécialiste dans ce milieu. Baisse! C'est passé, c'est passé, c'est passé. Ok, calmez-vous, monsieur. C'est 2 balles, hein. Aucun souci. Ok, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller tout de suite? Je n'en sais rien, seul l'avenir nous le dira. Mais ça ne peut être qu'une bonne idée étant donné que j'ai rebouché juste derrière moi. Je viens tout juste d'y penser, figurez-vous, c'est extrêmement drôle. Ok, je suis pas dans le rouge, hein. Je suis pas dans le rouge. Ah, ouais, non mais ça va les gars. Compliqué ces histoires. Très compliqué. Ok, passer par ici. Calmement, respirons. On est bon. On est bon. Ah. Hey, ça va? Tiens bon, j'arrive. Mais tout le monde va mourir, tu sais que c'est le destin. C'est le destin de tous. Allez, c'est parti les gars. Ok, on va passer par ici. C'est incroyable. Ça va vite, ça va vite. La Ziza, je te veux si... Il est mort, hein. Il est totalement mort en fait. Il est totalement mort et je pense que je vais tomber. Marquez? Oh, c'est mal joué ça mon fissou. Qu'est-ce? Tu peux mourir maintenant, Chris. Putain! Oh mais les gars... Ma fille est tellement nulle. Ah non mais je suis mort. Non mais... Vous venez vraiment de me tuer? Comment je pouvais savoir? N'essayez pas de secourir votre coéquipier tant que les pièges sont encore actifs. Trouvez un moyen de les désactiver. Oh non, hey, vous êtes salauds. Tiens bon. Ok bon, on va désactiver. J'arrive. Ça. Oh les salauds. GG. Bon bah c'est la troisième mort. Hein. Premier épisode 2 morts, deuxième épisode 3 morts, troisième épisode 4 morts. Hein, je vous laisse faire la suite, la proportionnalité on apprécie. Bon bah je vais pas t'aider Marquez del Champsez. Désolé mon frérot. C'est par ici qui sait. On devrait tout désactiver. Ok. J'arrive Marquez del Sanchez del Pococcini. Ah, on ne peut pas passer par ici. Le jeu n'a pas été étudié pour passer par ici, d'accord? J'arrive, mon poteau. Eh, hey. Hey, toujours en vie? Oh. Hey, c'est toi? Merci. Je commençais à croire qu'on nous avait laissé tomber. Sortir par là. Lui, il va prendre ce qu'il mérite x20. Impossible qu'il sorte vivant de là. Lucas est un putain de psychopathe. Je sais pas ce qui est pire, lui ou ces choses. Il faut qu'on se tire d'ici.
sors de là vivant, mec. Je par salue. Ici. On doit pouvoir sortir par en haut. Oh putain. Dis-moi que c'est pas vrai. Merde. Merde, merde. Enlève-moi ce truc. Non. C'était donc bien trop beau. Je sais pas pour toi, Christopher, mais je commence à en avoir marre de ce petit jeu. Trois hommes, Lucas. Trois de mes hommes sont morts à cause de toi. Mais crois-moi, c'est la dernière fois. Je crois pas, non. Ça va faire quatre soldats morts dans un instant. Tu vas échouer. Et ensuite, tu vas crever. Ok, on va monter, on va faire très très vite. Ok. Ah oui. On a un problème ici. On va faire très très vite. On est sur le coup, Chris. Retourne à la caverne centrale et attends mes instructions. Pardon ? Me laisse pas tomber. Ah oui, j'ai pas envie de perdre un bras. Les bras m'en tombent. Je sais pas du tout par où faut passer. Je perds un petit peu de temps, on sait jamais s'il y a des petits trucs sympas à trouver. Bon bah on court nos grands morts. Ah. Faites vite, faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. Au moins. Désolé, j'ai pas le temps. Ok, yo mon frérot. Désolé, j'ai pas le temps. Ok, yo mon frérot. Les gars, vous êtes nombreux. C'est chiant, je vous l'accorde. Dépêche-toi. Chris, bonne nouvelle. Ouais. Les vidéos de la première unité ont révélé la présence de bouteilles d'azote liquide près d'ici. Tu pourras peut-être désactiver la bombe. Ouais, bon, on va sauvegarder, hein. Dans la gelant. Où sont les bouteilles? L'air de stockage dans la zone d'extraction. Passe par la porte rouge. Porte rouge. Ça me dit quelque chose. Ok. Hop, une petite Ziza pour lui. Oh, bah oui, bah oui. Ok, c'est par ici, donc. Je suppose qu'il faut y retourner. Ah mais j'ai la clé du clown, mais oui, mais c'est clair. Mais littéralement, d'accord, je sais pas où passer donc. C'est parti. Souvenez-vous, la porte qui était encore fermée, j'avais raison. 8 minutes 25. On est large, on est large. Mais je sais pas ce qui va se passer, donc attention quand même. Un méchant. Aucun souci. Ah. Ouais, mais oui, non mais... Mais bien sûr, mais oui. Arrêtez! Oh putain de merde. Hop, grenade, ça va aller très vite. Personne n'est prêt. Allez, 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 allez! Hop, vous savez pas ouvrir les portes. Je vous ai mis skinné. Ah! Ok, continue. J'adore, j'adore parce que faut aller vite. Mais en même temps, je ne sais pas du tout où faut aller. Ah si, ça va ouvrir des portes. Ça, c'est assez terrible. Ok. L'azote liquide se trouve juste un peu plus loin. Ouais, évidemment, ça sera pas facile. Ça serait trop beau. Est-ce que par hasard? Non. On va attendre un petit peu encore. Je vais faire le gourmand, les gars, mais... Wow! J'ai eu peur. J'ai eu un petit peu peur. Ok. J'ose pas me retourner. Okay. C'est charmant. Lui, il a quelque chose dans sa tête. Hein. Ok, comment on met déjà un raccourci? Ok, j'ai trouvé. Allez, hop, ça c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Ok, donc tu ne crains pas le feu, j'ai plus soin. Ok. Ok, faut mourir monsieur s'il vous plaît. Ah, oh, cette gelée! Ah! Mais ils sont partout! Waouh! C'est terrible. C'est terrible.
C'est terrible! Je cours, mais non mort! Voilà. Abuse pas. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est... Oh là là, mais mec, mais tu es un monstre, littéralement. Mais mec, tu vas... Putain, tu vas crever, hein. Tu m'as chopé, Lascar. J'ai l'impression de tirer des Banzali, putain. J'ai pas fait tout ça pour rien. Ok. Ok. Meurs, merde! Mec, t'es démoniaque, toi! Je comprends pas. Je comprends pas. Y a pas de point faible, cet homme est une machine. C'est bon. Je l'ai vaincu à la force de mes couilles. Qu'est-ce que c'est? Neutralisé, Chris. Maintenant, trouve cet azote. Pas besoin de me le dire deux fois. Ok. Oh, la vache, c'est pour ça qu'on m'a donné autant de balles? Vous voulez me punir au quotidien, c'est ça? Ok, l'azote est pas loin. Y a plus rien, les gars. Ok, peut-être ça. Allez. C'est compliqué, l'inventaire. J'aurais peut-être dû... vérifier comment le maîtriser. Il est là, l'azote. Il est là, les gars. Allez, aucun souci. Bah, tu mets ton bras dedans. Dépêche-toi, Chris. Faut y aller. Ça a marché, les gars. Après, c'est amputation. Ça a marché. Oh, mais mon bras, il est retire-la avant qu'elle dégèle et se réactive. Merde. Est-ce que ça va, Chris? Ouais, ça va. Ça va. Ouais, j'ai jamais autant kiffé la vie. À nous deux maintenant. À nous deux, dit-il. Chris, on a repéré une zone derrière le tunnelier. Lucas? Peut-être bien. Essaie de voir si tu peux y accéder. Compris. Bon, les gars, ces histoires sont d'un compliqué. J'ai pas beaucoup de balles, c'est assez terrible. Et c'est aussi d'ailleurs une autre mauvaise nouvelle, parce qu'une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Non seulement j'ai plus de balles, mais en plus... Eh bien c'est la fin les amis, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère que cet épisode incroyable vous a plu. Et tant que je n'ai pas save, je n'arrête pas, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais normalement ça devrait être bon, je devrais être large les gars. Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, ciao ciao.